ضرب يا Je le sais, j'avais les informations et je tenais en sortant Koltkin Khroj. Je vais adresser un salut, wahdo, particulier, khas, Berber Télévision. Parce qu'il y a Télévision l'Ouahid. C'est la seule chaîne de télévision qui m'a soutenu inconditionnellement. C'est un acte militant. Amel Nidali. Parce que, Arfouni, ils ont compris, Wachinhouma, les enjeux que militantes, les Arfouha depuis des décennies, elle ne peut pas être accusée de tel crime. Et j'étais fière de compter parmi mes amis, parmi ceux qui m'ont soutenu, Berber Télévision. À la khatar, pour l'avenir, c'est très important. C'est très très important. Khatar goudemna, encore des combats, goudemna encore, des victoires, intisarat bach nintaz'ouha. Et on a besoin de militants comme les journalistes de Berber Télévision. On a besoin d'une chaîne indépendante. Une chaîne indépendante, moustaqilla. Fil iftitahiya taha, fil editorial taha, fil ligne taha, moustaqilla fil amal taha. C'est un combat pour la démocratie. Et c'était un combat pour la liberté de la presse, pour l'éthique, pour le professionnalisme. Et c'est un combat pour soutenir la révolution t'as le 22 février. Willy Mazelt. Alors, merci. Notre message pour le peuple algérien, pour les gens qui ont soutenu cette dame, cette révolutionnaire. Tout à l'heure, quand je suis sorti du Hebs, il y avait beaucoup de journalistes qui sont venus. On a même gêné la circulation. Bien sûr, j'ai adressé mes remerciements les plus chaleureux. C'était dans des conditions très difficiles. Alors, les femmes et les hommes qui, sur l'ensemble du territoire national, à l'étranger, les Algériennes et les Algériens qui m'ont soutenu, je leur adresse un salut fraternel. Je ne saurais jamais assez comment saluer leur engagement, parce que c'était un acte militant. C'était pas solidarité avec Louis Ahnoun. Non, c'était un acte militant. C'était un acte à la résistance. C'était une résistance. Je vais saluer, comme j'ai dit, tous les journalistes qui m'ont soutenu. Et particulièrement Berber Télévision comme chaîne unique qui m'a soutenu. Je vais saluer, bien sûr, mes avocats. Tabou Maïa, c'était très difficile. Ils venaient me voir sans arrêt, faiblida, wakda. Et je sais que je les ai épuisés, ta'abtoum. Et c'était un engagement militant. Ce n'était pas des avocats, c'était des militants. Et qui ont fait des plaidoiries remarquables, magistrales. Et bien sûr, mon parti, les dirigeants, les cadres, les militants qui ont résisté face à un véritable rouleau compresseur. Mais ils ont résisté. Et c'est de bon augure pour l'avenir. Je tiens à remercier le comité de soutien pour ma libération, bien sûr à sa tête, ma doyenne, Zahra Drif Betat. Oui, c'est ma doyenne, c'est comme ça que je l'appelle. Et si elle est là, elle m'appelle ma fille. Elle m'appelle ma fille. C'est la continuité de son combat. Et j'étais fière qu'elle soit la présidente du comité. Et j'étais fière que dans le comité, il y ait des personnalités, des intellectuels, des journalistes de tous bords, qu'il y ait des militants de différents partis. Je tiens à saluer les partis politiques qui m'ont soutenu inconditionnellement. Parce que Fahmine les enjeux, parce qu'ils me connaissent.
Voilà, Bellon, il est impossible que je puisse commettre de tels crimes, dont j'ai été blanchie d'ailleurs. Et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont signé les pétitions, qui ont adressé les messages de soutien, qui ont protesté parce que leur nom n'était pas sur les listes, qui ont envoyé des messages via Facebook, via n'importe quel moyen, de l'extérieur et de l'intérieur. Les femmes et les hommes qui m'ont adressé des salutations à l'intérieur de la prison, avec mes avocats, mais aussi par d'autres moyens, parce qu'il y a des citoyens sincères qui ont été chopés hakda fait tariq w qal la shftaha sal aliha w qulha rana ma'ak etc. Hadouma toutes les marques. Je tiens à saluer bien sûr les syndicats, je tiens à saluer les militants des droits de l'homme, les détenus, les kharjou mel habs ta l'emblème amazir. Oui, ma famille, bien sûr. Ma famille qui a beaucoup souffert. Les membres de ma famille ont beaucoup souffert parce que faire 700 kilomètres, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Qu'il y ait l'irdem, qu'il y ait celui qui est malade, etc. Mais ils ne m'ont pas lâché, bien sûr, ma famille. Je la salue. Et pour eux aussi, c'est une libération. Qultlum, d'ailleurs, dès que je suis sorti, mes frères étaient au tribunal. Qultlum, vous serez libre. Comme moi, vous serez aussi libre, parce que... Oui, j'y arrive. Alors, je tiens à saluer toutes les femmes et tous les hommes libres, les militants ouvriers, les démocrates sincères, les syndicalistes, qui, dans près de 105 pays, m'ont soutenu inlassablement, parce qu'ils me connaissent comme militante, ils connaissent mes principes. 9 mois de résistance. Ah oui. Mais 9 mois de résistance, pourquoi j'ai pu résister? Je savais qu'il y avait tout cet éventail qui me soutenait. Je savais, par exemple, que Berber Télévision, pratiquement tous les jours, chaque fois qu'il y a une table, qu'il y a un invité, qu'il y a un débat, non seulement le parti était présent, mais que Houma, après ils ont fait, paraît-il, un reportage, on m'a dit que c'était très sympathique. Et comment avec, c'est un honneur. Ah oui, avant quand même, je tiens à dire, j'ai été libérée parce que je suis innocente et parce qu'il y a eu une solidarité indéfectible, nationale et internationale. Et bien évidemment pour moi, ma libération ne sera totale que quand il ne restera plus aucun détenu. D'opinion. Bientôt, bien sûr. Juste le temps que je puisse m'informer de l'état réel du pays. Parce que ma quinche, j'avais pas les journaux, j'avais pas les moyens, je n'avais que le NTV. Donc, il faut que je prenne le temps de lire, de me documenter, d'écouter mes camarades, les dirigeants, etc. Et après, dans les plus brefs délais, il y aura une rencontre avec la presse. Vous aurez tout le temps de poser les questions, etc. اولا انا متعبه ثانيا ما عنديش المعطيات كل المعطيات حول الوضع السياسي الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله اني نوجه الشكر والعرفان والتحيه لكل الذين دعموني في داخل الوطن وفي خارج الوطن وفي اسرع وقت ممكن بمجرد ما يعني نطلع شويه على الاوضاع راح ننظم لقاء صحفي ونتناقش فيه بإريحية وكما تعرفوني نرد على الأسئلة نتاعكم دون شك. شكرا لكل الذين دعموا. مبروك عليك. شكرا لك. لا حرج.
انا حره وحررتك حررتكم حرفتكم على بالي بلي معاناة كبيره على بالي بالتفاصيل بكل شيء اللي وقف لي جورناليست الاحزاب النقابات اصدقائي الحمد لله دخلتي كبيره اخرى شيء وي سي لو بليز امبورطون وي وي والحمد لله انا فرحانين مانيش مجيني الحقيقه دائما ثوريه دائما الحقيقه يعني قد ما طولت ولا قصرت تبان الحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله Vous avez choisi le parti des travailleurs au-delà de rentrer chez vous parce que vous avez passé 9 mois en détention. Quelle question ? Moi, je peux comprendre votre réponse. Ma famille, elle fait 700 km tous les 15 jours pour venir me voir. D'accord ? C'est ma famille, c'est normal. C'était déjà comme ça en 83-84. Et encore une fois, le renouvellement des rapports, le resserrement... ils étaient là à tout moment, mais mon parti, c'est mon parti, c'est mon identité, et je sais ce qui s'est passé. J'ai pas tous les éléments, j'avais pas tous les éléments, mais je sais qu'ils ont combattu, qu'ils ont résisté. Et vous pensez bien, je suis resté 9 mois, wahdi, dans la cellule. Sans pouvoir discuter politique, mais je suivais et bien sûr la réflexion elle continuait dans ma tête. Et évidemment mon engagement, plus que jamais, je suis sorti, je suis libre. Maintenant je reprends ma place dans mon parti, voilà. Je reprends le combat, je poursuis. Et bien sûr, à d'autres victoires, Inch'Allah. Ouais. Vous saluez en tout cas, Hakim Haddad notamment. Et comment je viens d'expliquer, ouais. J'ai salué et j'ai dit parmi ceux, justement, les journalistes qui m'ont soutenu, ouais. Les partis, les syndicats et les détenus d'opinion, les détenus qui m'ont Ta'arraya al-Amaziriya, tous ceux qui ont soutenu dès qu'ils sont sortis, moi-même j'étais solidaire. Voilà. Moi-même j'ai dit à mes avocats, celui qui peut se constituer, qu'il le fasse. Ouais. Qu'il le fasse, parce que on était logés à la même enseigne en réalité, voilà. Et donc aujourd'hui, bien sûr, c'est une victoire, l'haq, c'est une victoire, voilà. Mais elle ne sera totale pour moi que lorsqu'il ne restera plus un seul détenu d'opinion dans les prisons algériennes. Merci. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Madame la députée, quelle est votre La lumière. L'agent de sécurité اللي رجعها ما عرفش وقبايلي قبايلي قال لي جابوا لك قال لي جابوا لك لي شامبينيون سوفاج خدوا شامبينيون سوفاج شكون اللي يجيب لي شامبينيون قال لي خفت لا يكونوا ما عرفوش وحطوا دي شامبينيون ما دخلوش قلت له المشوشة انت قبايلي ما تعرفش خليه ما يعرفهاش
Elle est trop gênée.